Salutations les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce troisième épisode sur FTL. Et la dernière fois, on s'était quitté où on savait pas si on allait réussir à abattre ces pirates. Donc, comme vous pouvez voir, c'est toujours en pause. On va relancer de suite. Non, tu veux pas? Voilà. Voilà, donc on a remarqué en fait que. Ah, raté encore, putain. Aïe, 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 ça c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu me fais quoi, Mouloud, putain? Non, 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 putain, ça y est, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. C'est la merde, putain, c'est la merde. Ouais, c'est la merde, la coque, elle a pris trop dans, elle a pris trop cher. C'est qui ça? C'est il y a quoi? Quoi ça déjà ça? Ah, c'est espèce de saloperie qui me tire en fait là. Putain, et moi je prends trop cher, je prends trop cher les gars. Je suis sûr que je vais crever quoi. Alors c'est sûr que je pourrais m'échapper hein. Bien. Bien, 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 bien. S'il le répare pas vite, ça peut le faire quoi. Mais bon, faut pas trop rêver non plus. C'est quoi toi? Tu vas aller là? Tu vas les réparer en attendant parce que là j'ai l'impression que. Je pense que tu vas. Tu vas remplacer un petit peu les gars pendant qu'ils vont aller se régénérer aussi. Voilà, ça peut le faire. Mais il a quoi lui, sérieux? Putain, mais en plus il rate quoi. Tu vas retourner à ta place. Toi, je crois que tu vas aller remplacer lui un petit moment. C'est chaud, hein? Pour l'instant, c'est plus ceux qui me font mal, hein, que l'inverse, hein. Non, oh, putain. Ils me font chier avec leur attaque de merde, là. Pour le moment. Ah ouais, non, en fait c'est leur attaque, c'est ça, j'avais pas compris. Ça c'est un bon coup, ça. Ça c'est un bon coup, les gars. Continuez comme ça.
De toute manière, vous savez quoi, j'ai pas. Ouais, si. Je sais pas plus que ça, quoi. Ah, le bâtard! Ah, c'est vraiment de la merde, hein, leur truc de merde. Là. Leur truc de merde, c'est de la merde. Ah, ouais, tu vois, vous voyez ce que je vous avais dit, ça allait être long. Ça va être très 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 long, cette attaque. En fait, il faut vraiment un synchronisme des deux, quoi. Du laser, du truc anti-coque, quoi. Ou ce que je peux essayer de faire. Attends, ce que je peux essayer de faire. On va dire que lui, il va attaquer là. Et on va dire que lui, il va niquer les boucliers. On va essayer de faire comme ça parce que. Ouais, je vois pas autrement, quoi. Il faut vraiment essayer que je fasse autrement. Ouais, d'accord, s'il loupe en plus. Alors lui, il a une de ses armes. Je sais pas si on peut voir l'arme, quoi. C'est ça qui est. Ah putain, ça me fait chier. Ils me disent pas, ils me disent pas. Oh, raté en plus, putain. Je croyais que le mec c'était un bon, quoi. Je sais pas moi. Voilà, à chaque fois en fait, ils empêchent que mon Ah, le truc de camouflage, c'est galère. Franchement, c'est galère, ça c'est super long, quoi. C'est toujours la même chose qu'ils disent, quoi. Il charge pas assez vite, quoi. S'il chargerait deux fois plus vite, ça irait mieux, quoi. Oh putain! Oh, vous avez trop géré les mecs! Non! Rechargement auto, bah c'est bon. J'ai eu 3 d'énergie, un machin et 73 scrap. C'est parfait en fait, je vais en avoir besoin tout de suite. Ouais, je confirme. 75, voilà. On va accepter. Et on va mettre un en moins ici. On va mettre 2 parce qu'on va activer. Et ta race. Ah oui, non, oui, non, 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 non. 30 secondes, Mouloud. On va d'abord faire ça. Tu vas aller te réparer. Toi, tu vas aller te réparer. Allez, allez, les petits gars. Donc Emma, tu retournes piloter, logique, et toi tu retournes faire ce que tu faisais dans la salle d'O2. Hein. Alors évite de péter parce que c'est l'oxygène, donc t'imagines le mec qui pète. Tous les mecs sont en train de crever. Donc attends, voilà. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux, mais ça sert à rien contre eux en fait, mais c'est pas grave. So. Magasin, non, bah de toute façon j'ai plus rien donc sortie, tatam, tire là, tatam, c'est bien là. Ah, vous voyez comment c'est chaud quand même. Encore là, j'ai beaucoup de chance. Ah, vous voyez, alors ça, c'est le truc que j'aime pas. Ah, tatam, le vaisseau mantis s'est orné d'un morceau de. Encore plus, écœurant s'il possédait des organes internes, mais. Le message est clair, ce sont des chasseurs spécialisés. Bon, on les ignore.
Les mantis ne s'intéressent pas à vous, ils restent à l'affût. Prochain vaisseau Rogue s'aventurant ici et vont lancer le métal dans la maison d'assaut. Voilà, ça c'est nickel. Pourquoi? Parce qu'ils ont des trucs à l'abordage. Et franchement, à chaque fois que j'ai des trucs d'abordage, je me fais littéralement niquer. En plus, ils ont trois. Ils en ont trois de. Ils ont trois bordels là. C'est chaud quand même. Donc on se casse. Donc attendez, sortie. Là. Donc on va aller là. On s'en fout du magasin. Mais même eux semblent respecter la sagesse des Zlotan. Le problème, c'est que je suis bien tenté à vendre l'Artemis. Mais après, c'est vrai que l'Artemis c'est quand même très important. Ah, d'ailleurs, j'ai pas vu. Ouais, camouflage. Ah, la même saloperie qu'ils avaient, eux. 150. Contrôle de drone, je suis pas très fan. De toute façon, je peux rien mettre. Hein, alors... Par contre, je voulais voir un truc. Équipage. Donc, je peux encore avoir un seul. Et j'ai augmentation en charge. Non, non, mais c'est bon. Voilà. Trop de tir. Putain, ils ont un téléporteur. Oh merde, fais chier. Parce que là, t'es sûr et certain que eux, ils vont aller m'attaquer. Ils vont aller m'attaquer à l'intérieur, quoi. Ça, putain de merde. Fais chier. Alors, attends. Lui, il faut le faire logique. Faut que ça mette le feu. Voilà, comme ça. Ensuite, toi. Toi, c'est le truc faible. Tu vas attaquer ça. Toi, tu vas attaquer ça. Ah putain, ils ont trois de... Ah bah les gars, je crois que la fin est proche pour nous. La fin est très proche, voilà, hop. Il va se téléporter, il arrive là, forcément. Aïe 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 aïe, viens là tout de suite, toi, viens là tout de suite, viens là tout de suite, viens là tout de suite. Faut vite réparer ça, vite, 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 vite. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Pauvre con. Là, ils vont me niquer, ils vont me niquer. La coque, elle va crever. Il lance des missiles et tout ça, et voilà, je rate en plus, putain. Voilà. À crever. Game over! Alors, par contre, ouais, j'ai remarqué. Hop, on va le baisser. En fait, le souci, c'est quand je vais m'avancer comme ça. Donc là, vous allez voir. Destin vu que votre vaisseau. Putain. Bon, bah, les gars. Je suis désolé, on a crevé là. On a crevé là. Après, c'est dommage que... Voilà, maintenant on a celui-là en plus. Donc lui, il démarre déjà avec qu'un seul machin.
Ah, écoutez, comme ça fait 15 minutes d'épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu, pardon, ce qu'il y a à faire. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à faire. Et le prochain. Excusez-moi, j'ai reçu un message. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'il faut pour débloquer les différents vaisseaux. Et on va, comment dire. Et la prochaine fois, on va regarder. C'est quoi exactement? Nouveau système, nouvelles armes, nouvelle race d'aliens et plus recommandé pour les joueurs expérimentés. Je crois qu'on va déjà commencer par le truc normal, d'accord? Hein, on va essayer de débloquer tous les vaisseaux et après on activera ce machin-là. Donc là, on va regarder ce qu'il faut. Alors, style A, style B, on peut pas. Hop, on va faire liste. Donc, ça c'est le vaisseau de base. Hein, avoir 6 races différentes simultanément sur le croiseur Kestrel. Ok. Avoir 11 systèmes installés sur le croiseur Kestrel en une seule fois. Putain. Avoir le croiseur Kestrel avec le croiseur Kestrel se réparer entièrement alors qu'il ne vous reste plus qu'un seul PV. Putain, ça c'est faisable. Et croiseur Kestrel Victory, vaincre le vaisseau amiral avec n'importe quel type de croiseur Kestrel. Ok. D'accord. Donc ça c'est celui qu'on a débloqué du fait qu'on a réussi la mission là. Enfin qu'on a eu 5... on a dépassé 5 systèmes. Avec le croiseur NG, avoir 3 drones fonctionnant en même temps. Oh putain. J'ai à peine levé le petit doigt. Avec le croiseur RNG, détruire un vaisseau ennemi en n'utilisant que des drones. Pas d'armes. Wow. Ioniser 4 systèmes ou sous-systèmes ennemis en même temps en utilisant le croiseur. Hein? Ioniser 4 systèmes ou sous-systèmes ennemis en même temps en utilisant le croiseur RNG. Je sais pas ce que c'est. Vaincre le vaisseau amiral. Donc là, croiseur de la Fédé type A. Qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir? Il y a énormément de construction d'un vaisseau avancé dans la classe. Déblocage alternatif. Vaincre le vaisseau amiral avec n'importe quel type de croiseur NG. Hein? D'accord. Donc il faut vaincre le vaisseau amiral. Hein? Ok, d'accord. Vaincre le vaisseau amiral avec n'importe quel type du croiseur de la Fédé. D'accord. Donc après, hop, ça va comme ça. Donc forcément, il faut débloquer ça pour avoir ça, et ainsi de suite. Ok. Attirer les Lanus avec une flotte de valeur. Débloquer 4 vaisseaux au plus du croiseur Kestrel pour déverrouiller ce vaisseau. Pff. Ok, croiseur non identifié. Voyager dans le secteur oublié de la galaxie pour trouver ce vaisseau, ce puissant vaisseau. Déblocage alternatif. Vaincre le vaisseau amiral avec tous les types A et B de tous les autres vaisseaux, incluant le croiseur Lanius. Ok. Ben putain. Compléter 2 tiers des accomplissements du croiseur Kestrel pour débloquer. Ok. D'accord. Ok. Et ça. Atteindre le secteur 8 avec le croiseur Kestrel type B en mode avancé activé pour débloquer ce vaisseau. Waouh, mamma mia. Bon, vous savez quoi? Alors, la prochaine fois, on va faire avec le NJ. On va faire avec le NJ. Alors, comme vous savez, moi, je suis pas trop. Je suis vraiment pas. Je suis pas très top par rapport guerre robotique avec le croiseur NG. Avoir 3 drones fonctionnant en même temps. Ouais, ça. Ah ouais, en fait, d'accord, c'est là. Ok. D'accord. Fédération Unie, avoir 6 races différentes. Attends. Ok. D'accord. Je peux mettre des noms aussi. Ah, vous savez quoi, les gens? Je crois que je vais prendre tous les abonnés et puis je vais mettre leur nom.
Je vais prendre une petite feuille, je vais garder sur moi, je vais me l'afficher. Puis je vais mettre tous vos noms d'abonnés, enfin les noms que vous avez. Et puis je les mettrai, je pense. Ouais, ça peut se faire, ça peut être sympa ça, tu vois. Ouais, d'accord. Ok, bon bah écoute. Sophia, humain, humain. Mais moi c'est. Je peux. Ouais, c'est ça le problème, c'est que je peux pas changer. En fait, il va falloir que je vire des mecs, quoi. Zaz. Ça change ces mecs-là, là. Je sais pas, il peut avoir une lumière rouge à la place de la lumière verte, hein, qui sait. Ouais, bon bah écoute. Hop. Voilà. Bon, sur ce, les amis, cet épisode il était un petit peu plus court. Effectivement, on est tombé sur plus fort que soi. Mais écoutez, ça arrive. J'espère que on arrivera un petit peu mieux la prochaine fois. Je saurai que les rocs, il faut éviter leur planète. Que ce n'est pas cool. Mais bon, d'un autre côté, les violets, c'est pas mieux non plus. Parce qu'honnêtement, les violets, t'arrives tout le temps dans les trucs nébuleux où tu ne vois pas du tout l'intérieur de ton vaisseau et puis qui t'explose tout, quoi. Ils t'envoient des mecs, tu sais pas où ils sont, et puis tu te fais attaquer, et puis voilà, c'est la grosse merde. Bon, bref. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi ce let's play. Donc, n'oubliez pas que la prochaine fois, il y aura un let's play. Donc, toujours pareil, hein, avec cette fois-ci à bord du Taurus. Et je vais sûrement le tourner d'ailleurs tout de suite après. Bah, je suis à fond dedans là. C'est, je suis à fond dedans là, les gars, il faut pas déconner. Bon, allez. Ciao, bye. N'hésitez pas. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un like, un partage. Ça aide la visibilité de la chaîne. Je vous dis à tous toutes les bonnes choses possibles. Ciao, bye.